السوسان زكزافو او ديني فاش نسوتو ويدي لا نمسفهم نيتي اديني نقلا غزا فاش نسوتو اساد كزافو الجزائري السوسان ان سومن سسو سمير زو ساكن نكران تزمان نوما فان لا دغاس امور في فرنسا اي ونهي لا جزائري زواجي ايضا سوسي ازاد زوالو On dénonce tout citoyen étranger au pouvoir qui tue des citoyens en Kabylie et en dehors de la Kabylie. En souffert, oui, si, festent, fégrarlent, et on a vu à six vêtes, avec ce mestem, une rente, sans rente, mot, une refaillée, acte, une rente, une jamena, une assemble, irsanis, dissel, oui. C'est une enquête internationale qui va déterminer la vérité et qui va montrer les choses sous le vrai jour. Nira ou l'huile, l'amnésir, adinine, veillin, souffir. Veillir, dis-tu que naissant, aïsma, aïsma. Un chrove, at souhait d'imsa, kumt, nouiz yarran, nouiz yintaran, amad gfika, amad gweilensen. Un sous-sol, si vous l'ouïn, les dépassements, l'on hîl et zaïrir et souhaf sind. Un sous-sol, et souhaf, souhaf, snak, ou yawikun, et dit l'an, m'yel, aï, ou an, n'tmous, an, n'kfayil, s'gour, s'ar, ou y nis, il l'an, gizmoura, si varamiyin. Toute l'aide que nous pouvons apporter, nous voulons l'acheminer sans aucun problème, nous l'exigeons. Le chorof, الاسلاح يمحفز انحراف نتسرسيس كفاراي يطفس قسناقيعين قولا ونهيل الجزائرية لو ريجيم الجيريان نشرب سوفيا اقدر نيزرفان نقفيليين اذي ذيرن سوان سين نسن ذك ماهي نسن يمجارة ذن غصن ناظن نظن لي سبيسيفيسيتي كولتورال ايدنتيتير doivent être respectées partout où elles sont exprimées. Ne souffert, ne saouel, et au grau, ne t'ouvrir moura, à gérarlène, à des choses que vous voulez dire, à des cadres, à quoi ramène Ismel, si Ismel ou Rof X Genesis. Il doit respecter tous les traités qu'il a signés au nom du peuple qu'il représente. Ne saouel, سورا سي فرانيين أذرنت سنتراوين أذرنت في سمور ساقيا يوكن الخوف في قوزي ديغلين غير سمور فازي توكس أسا أنجموا أن غمزا أمز الباري أمز كسيرا ديرسيا زواجي زي سوينس ماشي زواي زواي مثل سوينس أن في الدس في العناية سموس القفايل قسمت نسين في العناية غساك ويمزانا نسوا حقرب أستاذ نكون ألف دوز العناية ينس غير وكان ليس دوز أزلان الزايرية يسوف كان مسفهم مسغف سايقيا أستاذ نساو لاوين يوكنا تقفلم أتيلم تكون وير سي قزي لانز قلاوين أستاذ نكس Notre peur, nous devons la dépasser. Nous devons dépasser nos différences. Et ça, nous devons sous les hommes, et nous devons nous dire, c'est une femme qui se mourit, qui se fait qu'il y a des gens. Dans les sociétés d'accueil, nous devons être écoutés comme citoyens exerçant le plein droit dans nos sociétés d'accueil. Et ce plein droit-là, c'est d'exiger que nos pays d'origine respectent le droit que nous avons d'exister. التغريه اللي نيسكلر من البطل امريكان يخدم ودابو امن غان زيد القد نوان غير تاكوس هذا نرتب تاعكم هذا نزمير هذا نجاكر غير السويح امزروي هذا يزم ولا شنيبا انا نرويل يسيت كاتب نكر ام يون ومدان افوس دكفوس
ومجرب وتكتي وين النار تمو علينا نار الزاد تسدوك لك تقزينيت إذا نتساف أيد كل شيء إيه صوية عرض ميني تنمية نوان مرة عمي لكي لذكي لكي غريكي هي لقبيلي عندك مظهر زيالة أمار إنك دونيت أدنيني أسا غزكا تموت القبيل ثلاث الله تنمية نوان أزولك في الأوان كسرت تكون ممتاكي يمكن هذه دوالي ما وذي ديو سانوك أرداكي ما ولا شو غيليف il y a un comité d'organisation, il y a une organisation, ou là je suis le manis de l'organisation. Nous avons un comité, oui, qui est là, qui est les organisateurs, ou nous l'avons organisateur, qui est là, 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 par rapport au bout, il y a une pancarte, il est responsable de la société de l'époux. Mais qui est là, vous avez un débat, qui est là, ou là je vois un truc, 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 أنا قدر تركوا هنا خطر اليوم خطر ذيلا من المقبيل يقدر يسوي نار ده أكا إيه ما أنا شغل فيه كل يوم كان هذا يقيم الجون كنيس شطوه المقدار ولا يعني لقنا السر سمان الله أكا وذي لند في رجينيو اللي نو أورجانيزاتور ما أنا شغل فيه أفضل سيجيو أكا ليز أورجانيزاتور بس نار ده غات زلمة نويتن خطر ده سنة رم سنة تمانة مارس ده المقبيل اللي قدشنا ذيجيو وكندا أكا ثمانية يوم أنت كميل شغلنا ما هو شغل غرفة ما هو لا لا وكل ولاية مسلمين ده قلت تعويقا كل ولاية مسلمين ده قلت تعويقا أجا أنت فصلتني هنا كده ما هو شغل غرفة أنت نذوف نبدأ نسلم دي ديك على رأسي وجه أنا وغال دقيقة تسوسمية في كذا اليوم يموثن دي موث القبائل ثانية ثانوان أرجع سوا توران إفرحات فرحات سعيد ديون المزينة ثانية فيك فرحات القديش كان كل يوم سوا غوري ثانية فيك كمال ثانية ثانوان دونك أنكور إن فا وجاي كلام في شوية سوس مي باش كنا نجلد عشان أسلن إلا قد زنطق فايلي ديون أرداكي تموت القفايلي ديون أرداكي ذي يشتكي نيسدو كلان ذي يشتكي Les gens qui sont jeunes, on est tous ensemble avec eux, on est à Paris, on est à Philadelphie. Donc, nous sommes ici pour la Kabylie. Nous sommes ici en tant que Kabylie, mais aussi en tant que citoyens du Québec et du Canada, sur une terre autochtone. Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyan Kehaka. Qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations, avant de devenir une terre d'accueil à plusieurs générations d'immigrants, dont nous faisons tous partie. Donc, nous voulons donner la possibilité aux personnes présentes ici aujourd'hui, de bien sûr d'accorder un temps de parole respectif de 2 minutes seulement. Il en est nous respectif le temps nous. Donc, je vous demanderai de respecter le temps de parole. Donc, Elfgir Elzouarouna Zmes Rachid Bendou, qui est candidat du Bloc québécois aux élections fédérales dans le comté de Vimy, et aussi un militant infatigable des causes linguistiques et de la culture berbère et kabyle. Mes Rachid Bendou, insuffisant. Tu as perdu 30 secondes.
Donc, en attendant, je vais vous demander de retentir tous ensemble. SOS Kabylie, SOS Kabylie, SOS Kabylie, SOS Kabylie, SOS Kabylie. Mais Rachid Bendo. Bon, à l'occasion du rassemblement d'aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier les personnes qui l'ont organisé et qui nous ont invités à prendre la parole. Je profite donc de ce temps de parole qui m'est attribué pour dénoncer fermement, en tant que président de l'association Amitié Québec-Kabylie, l'attitude condamnable et inadmissible du gouvernement dictatorial algérien dont les forces de l'insécurité intimident, répriment, voire agressent méchamment des jeunes Kabyles qui ont exprimé publiquement et pacifiquement leurs opinions politiques et ce, malheureusement, dans la quasi-totale insouciance internationale. Ce pouvoir doit normalement libérer sans aucune condition toutes les personnes qui ont été injustement emprisonnées ou traduites en justice pour des raisons sans aucun doute injustifiables aux yeux de l'opinion internationale. D'ailleurs, cette grave situation a été décrite par une lettre qui a été publiée dans le journal Le Devoir dernièrement. Un gouvernement qui interdit au gouverné de s'exprimer pacifiquement et librement ne fait donc qu'interdire l'exercice d'un droit pourtant positif et légitime, figurant dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Quant au peuple Kabyle, eh bien c'est un peuple qui veut, comme d'autres peuples minoritaires de la planète, être ce qu'il est, et non pas ce que le pouvoir despote algérien et ses fidèles aiment qu'il soit. Ceux qui ne croient pas à l'impossible vont toujours loin, donc la résistance et la marche en avant se poursuivront jusqu'à la victoire finale. Vive le peuple Kabylie, vive le peuple québécois, fier de ce qu'ils sont. Bien sûr, à ce qui l'événement est qu'on lie à la il y a des représentants de formations politiques, il y a des élus, il y a des artistes, des avocats, des peintres, des poètes. Et bien sûr, parmi les amis de la Kabylie, Glenn Asseki, c'est un représentant du Parti conservateur, candidat aux élections fédérales et président de la corporation communautaire laurentienne, M. Rivera Rulio. Anne-Sophie Issé, bienvenue. Alors, M. Rulio Rivera. Bonjour. Vraiment, je suis très content d'être parmi vous. Et j'ai aimé beaucoup, comme on dit, SOS Kabyle. Est-ce qu'on pourrait le faire encore? SOS Kabyle. Kabylie. SOS Kabylie. SOS Kabylie. SOS Kabylie. SOS Kabylie. Kabylie, SOS Kabylie. Oh bon, merci beaucoup. Je suis un homme de peuple. Je suis très solidaire avec Kabylie. Quand le peuple prend son pouvoir, aucun gouvernement ne pourrait aller contre. Je suis d'Amérique latine. Nous avons aussi été frappés. Et cette fois, j'ai bien de me solidariser avec le peuple kabyle pour la liberté, pour l'indépendance et l'autonomie des Kabyles. Le rêve de notre jeunesse, le futur, il est dans votre main. Si vous ne travaillez pas fort, Kabyle,
Jamais elle ne va avoir son droit, son avenir, les visions, les pouvoirs. C'est vous. Si vous ne travaillez pas, la Camille va sourire toujours. Merci beaucoup et je vous encourage. Et je suis là avec vous. Maybe a few words in English. Spanish, hablas. Español, sí, hablo español. Salam alaikum a tous. Assur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Julio Rivera. Encore une fois, c'est un candidat aux élections fédérales dans le comté de Papineau. Et c'est un militant qui attire beaucoup dans le mouvement associatif, notamment latino. Donc, nous allons continuer les interventions. Askar Awal Imanissa, parce qu'on va se relayer. Akin Khan, Rismout Lakveil, Famtous Sayez Elis. Donc, voilà, c'est à vous, Shouya. Imanissa Kimel Lakvish. Azul Flawan. Je vais présenter la prochaine personne à Dardel. J'appelle Mustafa Mlal, qui fait partie de l'association Etheratin Canada. Il va nous parler de ce que sa région a vécu cet été, notamment par rapport au feu de Kabylie. Ils ont ravagé la région Etheratin le plus, donc il va nous donner son ressenti. Monsieur Mustafa Mlal, s'il vous plaît. Donc, finalement, changement de situation. Monsieur Mlal n'est pas encore présent parmi nous. On va appeler Madame Isabelle Dion, présidente de la commission de la citoyenneté du Bloc québécois. Bonjour. Bonjour, amis Kabyles, amis Québécois. Je m'appelle Isabelle Dion, je suis la présidente de la Commission de la citoyenneté et je suis ici pour souligner la solidarité des deux peuples, des deux destins, des deux volontés qui aujourd'hui, comme toujours, se croisent et se rassemblent. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes avec vous. La situation est grave, très grave. Depuis la mi-août, on compte des dizaines, voire des centaines d'arrestations arbitraires en Kabylie. Derrière ces accusations de séparatisme, beaucoup voient en fait une volonté de réprimer toute tentative d'autonomie d'une minorité. La réalité peut se comparer à ce qui se passe ici dans les réserves autochtones, mais aussi dans le reste du Québec. Encore une fois, on cherche à nier, réprimer, même tuer lentement une minorité qui est aussi un peuple millénaire, riche d'une culture et d'une histoire. Je dénonce le racisme à peine subtil et je m'indigne de l'indifférence des autorités. Je suis ici parce que la vie humaine, peu importe sa couleur, sa race, sa croyance, religieuse ou non, mérite le respect. Je réclame la fin de la répression en Kabylie et le droit aux Kabyles de disposer eux-mêmes de leur destin comme bon leur semble. Vive le Québec libre! Vive la Kabylie libre! Kabylie! Kabylie indépendante! Kabylie indépendante! Kabylie! Kabylie! Je vais appeler au calme, s'il vous plaît. On va appeler la prochaine personne. Kabylie! Kabylie! قادريه اسكرا والمنيسه
Ok, donc la prochaine personne que je vais appeler, ça va être Marianne Alpin. Madame, la présidente de la société de Saint-Jean-Baptiste. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à prendre parole. Je m'appelle Marianne Alpin, je suis présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Je voulais dire aussi bravo aux organisateurs d'avoir pu vous rassembler ici. Et quelque chose que je veux ajouter, c'est que vous êtes tous et toutes très beaux et belles à voir. C'est très difficile en 2021 de mobiliser des gens à sortir de notre petit confort d'hédonisme, de sortir de notre salon confortable et venir dans la rue militer. Parce que c'est dans la rue que nous serons entendus. Pourquoi? Pour se faire entendre et faire prendre conscience aux autres de ce qui se passe ici et ailleurs, des actes odieux. Nous savons, mais l'important, c'est pas d'être entre nous, de se dire entre nous ce que nous savons. L'important, c'est d'être entendu et d'en parler quotidiennement, à tous les jours, à quelqu'un qui ne sait pas. Alors, évidemment, on dénonce toutes les arrestations qui se font en ce moment. On emprisonne des jeunes personnes parce qu'elles expriment quelque chose qui ne va pas dans la même ligne de la puissance. Ça, on est en 2021. On se dit dans une époque moderne. Une époque moderne. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été fondée en 1834 pour défendre les droits et libertés. Deux mots si importants qui aujourd'hui, en 2021, on semble pas savoir ce que ça veut dire. Alors, nous aussi, on réclame qu'il y ait une enquête internationale sur ce qui se passe en Kabylie, les crimes odieux avec les incendies criminels. On confirme plus de 255 décès, et peut-être sans doute plus. Ce qui se passe avec la pandémie, on cache des choses. La Kabylie a le droit à disposer d'eux-mêmes, a le droit de prendre ses propres décisions. Il y a quelque chose qui nous rassemble entre le peuple kabyle et les Québécois. Vous êtes Québécois. Ben, nous aussi, on revendique nos droits et libertés. On ne veut pas que nos voisins qu'on aime, qui décident pour nous. C'est terminé. Alors nous sommes solidaires avec vous. Nous vous entendons. Espérons que tout le monde ici, vous allez continuer à propager et à se faire entendre et aussi conscientiser. On est devant TVA. Moi, j'ai reçu ici la déclaration de la diaspora des Kabyles du Québec et du Canada. Je vais la faire circuler sur les réseaux sociaux. Faites-vous aussi. Alors, vive la Kabylie et vive le Québec libre. Ouais! Vive la Kabylie! Merci beaucoup, Madame Marianne Alpin.
La prochaine personne que je vais appeler, ça va être Farid Assam, ex-candidat du Parti québécois dans Acadie à Montréal. Merci beaucoup, Azoul. Merci, Massima, de la présentation et de m'avoir cédé la parole. Également, en tant que membre du groupe organisateur de ce rassemblement, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont répondu à l'appel. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour un but commun, qui est celui de sauver notre patrie natale, la Kabylie, qui traverse actuellement une situation dramatique, voire même menacée dans son existence. Nous sommes réunis pour crier haut et fort notre désarroi et notre tristesse. Oh, combien notre Kabylie est chère dans notre cœur. La Kabylie n'a pas connu de répit pour retrouver ses forces. Son peuple souffre de martyrs. Il est violenté, intimidé, terrorisé. Les enfants pleurent leurs parents. Les parents pleurent leurs enfants. Le pouvoir algérien a usé de tous moyens pour endeuiller les Kabyles. Il a tué nos jeunes, aveuglés et blessés d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié qu'il y a eu aussi des jeunes à qui on a crevé les yeux. Les kidnappings et les kidnappings en toute illégalité ne s'arrêtent pas. Les arrestations massives arbitraires ne s'arrêtent pas. Ajoutant à cela des perquisitions des domiciles sans mandat en terrorisant les familles entières. J'aimerais dénoncer ces énergumènes anti-kabyles qui ont accouché du projet satanique, le plan zéro kabyle, béni par la dictature militaro-religieuse algérienne. Le but de ce plan ne dit pas son nom, mais il est clair comme l'eau de la roche. C'est d'exterminer et d'en finir à jamais avec la Kabylie. Mais nous ne laisserons pas faire. Les incendies de nature criminelle ne sont que la mise en place de ce plan machiavélique. Combien de corps calcinés, carbonisés? Halte à vous! Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, car nous ferons de notre possible pour vous démasquer. Les autorités algériennes, dépourvues d'humanité, ils n'ont aucun gramme d'humanité. Ils ont enfreint et piétiné toutes les lois. Rappelons-nous alors que la population de Fort National, l'Arvan et Tirazun, vivez son deuil causé par les incendies de nature criminelle. Des jeunes pris de fatigue, tant physique que morale, ont été embarqués injustement dans des prisons. Je dénonce aussi la loi qui diabolise des militants pacifiques démocrates qui les qualifient de terroristes. À mon humble connaissance, je ne connais pas de terrorisme pacifique. Nous refusons donc que notre génération subisse le même sort. Il est temps de penser à un vrai projet, un projet porteur qui va nous faire sortir de cette impasse et de ce gouffre et que la Kabylie à nouveau retrouve sa sérénité. Nous demandons à l'occasion à la communauté internationale et aux organisateurs de la défense des droits humains de se pencher urgemment sur la situation très grave qui prévaut actuellement en Kabylie où les populations et les droits fondamentaux de la personne souffrent en silence. Liberté pour tous les prisonniers politiques. Kabylie
j'existe. Fermez. Farid Hassan, donc c'est une ex-candidate du Parti québécois dans l'Acadie à Montréal. Donc je tiens encore une fois à remercier nos invités, nos amis du Bloc québécois, nos amis du Parti conservateur, donc les interventions, je tiens à rappeler que ces deux minutes, moi les chauvins, et encore juste une petite mise au point. Il y a des organisateurs qui sont parce que je n'ai pas de gêne. Je ne suis pas de gêne. Soit je suis de gêne. Donc, la prochaine intervention, c'est Hussein Yahya, c'est un professeur titulaire en biomédical à l'École Polytechnique de Montréal et aussi consultant international en recherche sur la santé. Bien évidemment, c'est un chroniqueur radio sur l'actualité nord-africaine et la diaspora. Donc, il y a un village, je pense, c'est Hadan ou Hussein Yahya, un Sophie ici. Hussein Yahya. Même Zahila, Hussein Yahya, nous lâchons un passé grand hein, parce que nous avons fait une grâce au Déada, il faut être misé, il a des guillemets au Déada. Je suis venu à la maison. On a choisi les avec des articles de personnel, d'accord. On a l'air de l'organisateur des forces yagi, c'est le fait de rouhaki. Mais on a choisi les vagues, d'accord. Tu n'es pas organisateur. Personnel, les slogans réunis les vagues. Les slogans, non les organisateurs. Nous n'y voulons pas dire un slogan. Là, on va pour neuf à des rouhaki. À des rouhaki, un dossier. Ou un mec qui nous dit, avec ton zéro, on a choisi les nuages, le harcina. Mais le fait de rouhaki, même qu'un an. Moi, je suis venu à ce moment-là, je suis venu à la ville. D'accord. Nous, nous avons un slogan, il dit qu'on soit dans le Kounia, ou de Tazara, à la Zadek. La chose dans la main, elle est venue à la Chagir, nous sommes venus à la Zadek. Elle est venue 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 à la بند المدى السام إلى قولة زرم بالليل أغرف أوت سوسومالا إلى قولة زرم بالليل المكونير سلقفين أين تخد من بالجنار ذي سكو سنايا أتنوغا لنا من سوسون طروا أين تخد من بهموت المقفين ذاين إلى قبارا الديوغان في كلت النظام وخلوين إلى قول أتنوح من هذا الضرر قرونه أم كان تخد من هو إلى نول السام فغانا الشمثين قسم من ديون يون ونسو في الماك بالليل في البرافل إلى قام غانزر بالليل أياقين فغانا نشمثل ثموت القبايل ون 2001 اسمين غان 128 جون الماك ولا شيث ون 63 ولا شيث هكا فدي تسبا كان يبغان أتدافن هكا لا عمر سلفني لا عمر نكيني لا عمر نوغا كدوان بعض لا عمر اسمي غوان يخسر ليون لا عمر وليث غيون ويزمير انا يغسى كدس يون ايدي يسبب فاش ما تقول لي هكا فالمي زمان دونك وتعطي الغارة غطاس لاني مسلاي مبنى لان ويبنى مدى لاني مسلاي دفيري ويه هكا دونك كما هذا شغل ليف وزير غري غري انا كيكون نوغان العقليه ميم التليسه ديتو ذلين تصدي يوم تصدي ماس
Donc, je vais vous présenter Vreroche. C'est un artiste kabyle qui nous représente très très bien la communauté. Donc, il fait de l'art. Il a étudié à l'université de Concordia. Et en fait, il a ses toiles qui sont mises un peu partout. Il est très demandé ces derniers temps, donc c'est un honneur aujourd'hui qu'il soit là. Une main d'applaudissement à Vreroche, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Vreroche Lentokassi, mais on m'a donné le nom de Fédal à travers la colonisation et à travers l'histoire de nos peuples kabyles. Alors, comme vous tous, je porte des colères. Je porte une forte colère à l'intérieur de moi, mais vous devez, comme moi, la transformer. Elle ne doit pas être sur vos frères et sœurs kabyles. Elle doit porter un sens, cette colère. Elle doit porter un sens à entraider, prendre cette colère et la changer. C'est comme ça que je fais tous les jours. Je prends ma colère, je la mets dans mon art, je fais des œuvres, et c'est comme ça que je développe une envie vers mon peuple. De crier sur un autre, de crier sur un autre, ça ne sert à rien. En ce moment, on est en moment de crise. Nous avons perdu nos terres, pour certains. Nous avons perdu la famille, pour d'autres. Alors c'est important que cette colère se transforme en entraide. Alors, comme je le dis, comme en ce moment, ce genre de... C'est ça, cette énergie, on n'en a pas besoin. On a besoin d'entraide. Nous sommes réunis aujourd'hui pour les gens, notre Kabylie, les feux. C'est important de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on se réunit. Bien sûr, nous avons des différents politiques, bien sûr, nous avons des différents de plusieurs autres choses. Mais c'est important qu'on n'oublie pas qu'un seul mot nous réunit. Amazir, homme libre, avec un grand H. Merci. Avec un grand H que veut dire l'humanité et les hommes et toutes les femmes. Merci à vous. C'est important aussi de comprendre que, en tant qu'artiste, il y a deux choses qui peuvent nous faire mal. Premièrement, d'être ignoré. C'est simple, de passer devant nos toiles, devant nos textes, devant... et d'être ignoré. Mais la deuxième, c'est d'être censuré. Et ça, ça fait très mal. Et plusieurs d'entre nous, kabyles, Algériens, Amazirs, autochtones à travers le monde se font censurer. Ils s'en font emprisonner. Alors c'est important de porter un soutien à ces artistes, de croire en eux, de croire à leur écriture, de croire à leur journalisme, de croire à ce qu'ils disent, parce qu'ils partagent une vérité. Et on partage tous une vérité. Nous sommes tous autochtones de l'Afrique du Nord, nous sommes tous solidaires, et c'est important de ne pas oublier ça, car les politiques peuvent changer. Mais nous, nous ne changerons jamais. Merci. Merci, merci énormément. Quand un cri vient du cœur, quand un appel vient du cœur d'un artiste, on ne peut que l'écouter et le remercier. J'appelle Jamila Abdal, qui va nous dire un mot au nom du CKC, du Congrès Kabyle du Canada. Azul Fulawin, Azul Fulakult, vraiment, tu sais, la yurt traoussa, elle connaît ce mémir coulé, et qu'il y a une loi à Disliwa. A Khatar, nous sommes d'accord avec lui, mais je ne sais pas si c'est un tir vaïl. إوا كن أنسلي وين غي شغفل أو نتسلا غي تسلف ثغمر ثاكي ثغمر ثاكي ثكي اللي أدا سيدي تمسلاين يعني غالو كان يعني السلامة غي اليوم نكون كايلا أغدي سل واسنسل لاخاطرني يزمى الحالة تعديم
Le congrès des Kabyles du Canada, le CKC, se joint à cette action parce que c'est son devoir de soutenir la Kabylie qui traverse les moments les plus durs et les plus cruels de son existence. Le CKC est une organisation pour les Kabyles d'ici, du Québec, du Canada. Mais il ne peut pas demeurer insensible au drame qui ronge les siens là-bas. Le CKC se doit d'agir et de réagir quand il le faut pour défendre les intérêts et l'intégrité de toute la Kabylie. Le CKC remercie les initiateurs de cette rencontre et interpelle tous les Kabyles à s'unir, à agir ensemble pour s'entraider et aider les leurs. Le CKC interpelle aussi la classe politique d'ici et la communauté internationale des peuples et la communauté internationale pour soutenir les droits humains et les revendications des peuples autochtones partout où ils sont. La communauté internationale doit aussi défendre les détenus politiques et d'opinion qui croupissent dans les prisons algériennes. Leur seul crime, c'est quoi? Excusez-moi. Leur seul crime est qu'ils revendiquent les libertés et la démocratie. Les associés aux terroristes... tout à l'heure, Kamel Sabouh a parlé des organisateurs. Moi, j'aimerais bien que les organisateurs qui sont derrière moi arrêtent de parler parce que ça me déconcentre. Vous m'excusez. Alors, je reprends. La communauté internationale doit aussi défendre les détenus politiques et d'opinion qui croupissent dans les prisons algériennes. Leur seul crime est qu'ils revendiquent les libertés et la démocratie. Les associer au terrorisme, est une manœuvre diabolique, systémique de l'État algérien pour manipuler et inciter les institutions internationales à se taire, voire à cautionner les injustices et les atteintes aux droits fondamentaux des humains et des peuples à travers le monde. Notre Kabylie est en danger sur tous les plans. Le constat est amer. Notre douleur et notre sentiment d'impuissance face à la cruauté de cette dictature sont indescriptibles. Ces sentiments sont dans l'âme de chaque Kabyle, hommes et femmes. Pour contrer les desseins de cette mafia et contrôler notre colère, nous devons nous unir, nous organiser et nous préparer à agir intelligemment pour répondre aux besoins des nôtres, même si nous vivons à des milliers de kilomètres de notre terre natale. Les Kabyles ont une culture de diversité politique impressionnante. Cette diversité doit être perçue et exploitée comme une force, comme une richesse et non pas comme un frein à notre lutte et à nos actions de solidarité et d'entraide. Aujourd'hui, à l'instar de nos frères et sœurs de France, d'Europe ou des États-Unis, notamment à Philadelphia, nous nous rassemblons ici, à Montréal, pour notre mère Kabylie. Ses intérêts et son bien-être doivent être au-dessus de la mêlée et de nos intérêts personnels et matériels. Une pensée très forte aux victimes de 2001, aux victimes de 80, aux victimes de toutes les décennies noires depuis 1962 à nos jours. Une pensée aux brûlés, aux victimes brûlées pendant les incendies et à leurs familles qui sont démunies, qui souffrent encore le martyre. Vive la Kabylie! Vive les Kabyles! Excusez-moi, je n'ai pas fini. Hein. Vive la Kabylie! Vive les Kabyles! Que l'essentiel soit au cœur de nos actions et de nos préoccupations, que le respect des uns et des autres soit le leitmotiv de nos actions. Fan Mifnwen
Femmes Jamila Abdal, comme on l'a si bien dit, c'est une militante infatigable du CKC, Congrès Kabyle du Canada, c'est merci. Donc, on se met à la canne, on se met à la canne, on se met à la canne, on se met à la canne. C'est écrit dans la diversité. C'est écrit dans la diversité des tendances politiques. Donc, nous connaissons tous les cas. Dans ce cadre-là, bien sûr, avec les interventions, on va appeler M. Mourad Etim, qui est le président du Centre culturel Kabyle. Un soufi ici. يكون وين يكون في نروح نسطق ذكيه اكلت كما افوز الكوليكتيف اجينا ديسويش فين في لو راسون بالمويغين يا سي كوليكتيف داسوسياسيون اندنس كين كونيان فوالا من ذكيه ما سون كولوراسيون بوليتيك كونيون ادياس ستيكفيس كونيون ادياس سا كولورينس ذكيه اكن ادريفك الغضيس اس او اس كابيلي اسواس كابيل ثمث ثقفاليث رانسيد غير والمنسن ايجي كثيرا ندير مول ثقفاليث ونسمي لنا ناس نصبر غفايا جيل ثبوياد اي ثمثين في السمثين اني دي ثمي والورقاز اني وثن التمطوف اكين ادنفك افوذ ايوا ثمثين النار ايقلان ذي ثمث ثقفاليث سلامة كوي ثمثين في السمثين السبوسان أثمثل النار ذي ثمورث ثقفين في تسوان أطاس أطاس لنبيلتان من ثقفين إكس فيفيرن غاف مخلص غاف ثنكيف تساوينتن أساقين غار الحبوس خغمين دا يوف اللاليست أندان فغان أذرين 14 ألف ثقفين يكو وإذا كيك خدميك سليفان فغان أثمرن غارن للأغل الحبس زغم أكو أثمثنا في السنفين أثدني نيفا جينيا أمسون من ماك أرانت ومسون أرغراف وجينيا أرانت ذي القانون ذي ثمورثة زيريف وكرا بين حبسين ذاق ذايبين قرناس وقيا ومغنس من معك أي غار على خطر من معك أي ثمثين في السنفين يسخدي فير أكن أدير أفوذ وكن أبا سيفك إثم الثق في عديف فما سنفينس على خطر من معك يمستعد أفلطة ديترميناسيون أفدي إذا جينيا ونسميرا وغيذنا قرارا إذا نسا جينيا من اللي بيتو لما كاجين هاي اخبث اللي قلت دي الحبس وما تشي ذق فايدين ريد دفان في اللسن هلوى ريد دفان في اللسن هلوى نسا دافا جيني اخرات سوالي غنائم الجزائر انائم تمزغا انائم تقفايليف اللي كان يخبث في السنفين ونبدا سنفين في قربي ضارات أكن في الدفاع في الليل أكن يحود أسلماس لا أسلماس وأنا ينس ولا شو غيليف يكون ينتك ما تلقان يكيا نجمع دفاقين غاف ثمور ثقفة إليف ابن نجمع أنا ونسي هو أنا بيس أسلماس مرحبا ينس مرحبا ينس سوى أنا ينس سي تروس امبورتون وما انا عمت السياره فخت مغرى فخت مغرى نعرفت بلي تسمشت لنا يا كينيا تسمشت تدير مرفق فايليف وفي السوش دا هو ان يغون عفاني هنا يثبت ان قيمه اللي كتاكمات هي رانا الكوليكتيف اللي قلنا تاع كينيا اللي تابلي ا ساغونتير à d'autres associations. Il est appelé à s'agrandir à d'autres énergies. Il se met à la tête à cela, mais il n'y a qu'un mal. Alors, qu'est-ce que vous avez dit de bien ?
أثن كملة كان على خطر بكنا يكون دلان لأن وثمتنا في فرنسا لأن وثمتنا في أمريكان إلى قدم فقمت والحدود الفريف إلى قسم الحس إلى قارنا أن أزن أدن تسكى غيرو ستوفريف ما ستوفريف أفريف إدن دسيدي إدن دسيدي دسيدي وثمتنا أثنوي ولا أثنوي أثن دفاع أثن قدر أكين أن فقمت غيرانا ثورة أول يوم قارين أيها مثلا في السنافين في الليل وفي الحجة لقد القفل لكن يا ضرائي أمسوا أفراني مان ماذا قلا ما تشذي نكوني غير حد في اللاس أنواع غير حد في اللاس وقال ثم يتوقي ماذا ولي يوم قارين إيه يا لكل اكتفاء غادي كمل وما أنا في اكتفاء غني أتزيد على الزدفات والس في الدولة كثير زمرة تبدل على حساب بين بيدا كانت ديك شمال عدا وين ديك في وين سن إيفيدامون سوفريف سوفريف لامان سون فيولونس أمام أفيك بوكو داميتاد داميتي بوكو دو ريزون الميزان أكنسا الكونيا تقفيريخ لا قص بيز دا تسوى الميزان بياض أن سوى الميزان أما تقولنا أما دي تصرفتنا أما دي ديماجنا أما بين خدم باي ذي قلنا نفاد الحاجة واجب هذا ماشي كان كاقيني هذا قص لا أقل على سنك سلا أقل على سنك أكن أبدا كوش سفري ثاني فلوان أريبواس Donc, je tiens à le rappeler, c'est le président du centre culturel Kabyle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de corporations et d'associations qui se sont jointes au mouvement Yakin. Au Mazel, je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'il y a une grande marche qui se prépare. Donc on n'a pas encore fixé la date. Inch'Allah, il y a sûr les associations donc le prochain intervenant c'est Salah Amran, c'est un militant de la cause amazigh infatigable et un militant aussi des luttes démocratiques. L'événement qui c'est mis dans le Qadish et Khdoum Atas, donc je tiens à lui rendre hommage et Eskar Awel Salah Amran. Azul Fillawel, une petite anecdote. Subhagi, alors à la place du Canada, ce que je me dis, c'est que je suis là, février 2019, la mort, il dit en Canina, sauf pour des considérations. Indépendant de moi. Un concitoyen algérien, arabophone, il a eu des salaires où le rassemblement est pour de solidarité autour de la Kabylie, mais il est en train la Kabylie. C'est le cœur de l'Algérie. La Kabylie, il fera la déclaration du 1er novembre, la 40e. C'est l'histoire. Einstein, il n'a pas de travail. La Kabylie, il le congrès de la Soumane. La Kabylie, depuis février 2019, ça a fait mal à la junte militaire algérienne. C'est pour ça. Il reste c'est une cible privilégiée, le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, génocidaire, raciste, il a tout fait pour isoler la Kabylie du reste de l'Algérie. Je respecte le combat des indépendantistes. Ils ont tout le droit d'exister. Mais le respect doit être réciproque, Yathmathen. Il doit être réciproque. La tolérance, le débat, l'aql vil ma'qul, vix, il dit Rousseau, vix, c'est dans le débat que jaillit la lumière. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue la violence, azmkar, l'invective, l'insulte vers autrui. Vers notre prochain qui ne pousse pas nos idées, ça ne fera compatir la Kabylie et l'Algérie et le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord.
هذا هو يقيم سبارتلي Il aide la Kabylie de Rouanis parce qu'elle est la locomotive de la révolution du sourire. Il aide la Kabylie, le Chichiti de la Filas. Fekara, il la job, il neige à Kulikouli de Skim de Rivera. Il n'y aura jamais de jonction entre la Kabylie et le terrorisme islamiste. Il n'y aura jamais de jonction entre la Kabylie et le terrorisme islamiste. La Kabylie, est la terre de la démocratie. La Kabylie est la terre de la fraternité. La Kabylie est la terre de l'humanisme. La Kabylie, c'est la terre du Mouloud Mamri. La Kabylie, elle ne se bat pas, elle ne se bat pas contre nos frères algériens, nos concitoyens algériens. Elle ne se bat pas contre l'Algérie. Elle se bat contre le pouvoir algérien. Il y a des forces politiques en Kabylie, elles ont le droit d'exister, pour peu que le combat politique soit pacifique, soit civilisé, mais et surtout responsable. La violence, elle ne mène à rien, elle mène au chaos. Je termine mon intervention politique pour revenir à Cheikh Dibou Ngardaghi. من قدش في الرسم بالمويه دي ننادي مثلا فيك ما تظن الى il faut tisser les maillons de la fraternité de la solidarité. La Kabylie a cramé, la Kabylie a brûlé, le feu est éteint mais les braises sont encore en nous. Fim sarga sir ginat sen goulawna mazal nerga mazal nshfa ila Assagi a dit c'est un moment de recueillement et de communion entre tous les Kabyles et tous les amis de la Kabylie, quelles que soient leurs orientations politiques. La Kabylie se donne. Il a le maouna, l'an imhbas, l'an gagnit m'tsassen, l'an imouzan la Covid. Les familles des emprisonnés, des détenus, il faut qu'on pense, qu'on trouve des mécanismes de solidarité efficace autour et pour la Kabylie. Aspasa ulakara anfar sawnis edis wnitsagien lahzen bacham kul youna djbed ghali manis. Il faut pas qu'on fasse une arène politique. Mal le brin an qadar aspasagi tjmaya tjmat. Il y a d'autres lieux, il y a d'autres moments pour faire avancer ces idées politiques. Il a l'aqlé, ou la karanina bayrana, j'maya de la solidarité autour de la Kabylie. La Kabylie est au-dessus de toutes les tendances politiques. Il ne faut pas qu'on se perde de vue, il ne faut pas qu'on se meurt, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. L'ennemi d'Adavou, c'est la junte militaire qui essaie par tous les moyens de diviser pour régner. Awali Warda, Thalmir Thinwen, Mazal Kherazdat, Amnoua Dikimbel. Salha Amran, c'est un militant qui vont tenir des causes linguistiques et de la cause berbère aussi. Il est très actif, il est d'une manière hebdomadaire de la place du Canada. Donc, merci. Quand vous le voyez, il y a une diversité d'opinions, d'orientations politiques. Il a quand même profité de ce pour faire une force et non l'inverse. Donc, merci. Bien sûr, on va aller au prochain intervenant, Mohsaïd Abdallah, qui est aussi un militant infatigable. Hein. C'est le président du GPK, l'Amérique du Nord, un soufiste de Mohsaïd. Merci. تنمرت هيك ما فرحت تنمرتي مرة بجوجل فيديو سنة ساقين مكنيش دبي با بارلي يا سانسارمو إنايد عمر أد هضرة أد مسلياغ مني غاسنيات وتمسلياغ راه باسكو موا جام بيان بريباري مون بروبو بور سافوار سكو جو في دير مي وين فرحات ملا دوموندي لو جروب كي كي ا ترافايي تري فور جو لوي رون اوماج
Donc je ne peux pas me dérober. À partir du moment où c'est le groupe qui me l'a demandé, sincèrement, je vais parler avec mon cœur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, la place du TVA ici. Nous avons organisé des meetings, des rassemblements au niveau de Radio-Canada, mais on n'a pas été écoutés, on n'a pas été vus. Là, on a déduit que la Radio-Canada ne traite pas l'information d'une manière équitable, ne donne pas la parole aux gens. Donc on a changé d'endroit, on est venu à TVA, j'espère qu'ils vont nous entendre et que des représentants de ce groupe-là vont pouvoir parler. Je l'espère du fond du cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire pourquoi nous sommes ici. Parce que la Kabylie a cramé, des personnes ont cramé, des cheptels ont cramé. Donc on est venu ici pour dénoncer ce désastre écologique qui a touché la Kabylie. On est venu ici pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale. C'est parce que la terre est un patrimoine naturel collectif. C'est même les autres pays ont le droit d'ingérence pour stopper ces destructeurs, ces prédateurs des Algériens. Nous réclamons, au nom du gouvernement provisoire Kabyle, nous réclamons une enquête internationale pour faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement en Kabylie. Ils ont brûlé une personne, juste dans le but de ternir et d'accuser la Kabylie. La Kabylie ne sont pas, le MAC n'est pas terroriste. Au contraire, le MAC se bat pour la démocratie. Le MAC se bat pour le bonheur de tous les Algériens. Parce que il arrivera un moment où ils vont se rendre compte que le combat du MAC, c'est le combat des Algériens aussi. Parce que les Algériens souffrent de ce pouvoir. Ils sont martyrisés, comme les Kabyles d'ailleurs. Le calvaire de la Kabylie ne date pas d'aujourd'hui. Il date des années 1926, à la création de l'étoile nord-africaine. Donc aujourd'hui, c'est une agression, c'est une violence cyclique. Et c'est pour ça que le MAC veut mettre fin définitivement à ce calvaire. Donc, nous réclamons une enquête internationale sur ce qui s'est passé en Kabylie, parce que elle va porter non seulement sur les incendies, non seulement sur le jeune Besmaël qui a été brûlé, mais elle va porter aussi sur la décision volontaire d'arrêter l'aide pour les malades, dans l'oxygène. Toute la diaspora a été mobilisée pour envoyer des équipements pour soulager les malades. Le gouvernement algérien a interdit. Donc c'est tout ce qui a été fait que nous venons ici dénoncer. Et je vous remercie tous parce que vous avez quand même été assez nombreux et vous avez été sensibles un petit peu au drame Kabyle. Que nous sommes ici et nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer notre combat jusqu'à ce que cette junte militaire soit traduite devant le tribunal international pénal. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je n'étais pas préparé pour le dire, mais je le dis avec mon cœur et ma tête. Je vous remercie de votre attention. Merci, Demar Saïd Abdullah. Donc, on va passer directement au prochain intervenant. C'est Omar Tabet, c'est un militant aussi. Irdishnatas, que ce soit dans des activités culturelles, sportives et aussi politiques. Nous sommes Maouanatas d'ailleurs vu les événements. Donc, un souris à Omar, à Manir, Ilik, bref. Ilik, bref, c'est politique à Wina. C'est à Krika. Ilik, bref, c'est politique. Al-Khvayel. القبائل اشفنا وسمثا رسول عمر انا ديريك برافاك سي بوليتيك وتدنا مراك ويافنا مفديك ولا شغلي سير ما كان تسموش كثم هذه لي فريمون بريف انا هضرات سافيد هذه لي فريمون بريف ماشي تقبل هذه السين غير ما هضرات فرانسيس اشو ما سان اون ديفون لو سياج تي في ا شباب ربي لوبجيكتيف فان داشو انا دوغم سلال جو مي بريزونت عمر تابت président de la section estudiantine MAC Canada. J'ai entendu, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
la proclamation du 1er novembre, c'est la vie de Kvalif. Je vais me présenter encore une fois. J'étais l'ex-président du comité de village, Guiri Limoula, et Gazlara Aronni, soit Choukhulmen, la proclamation du 1er novembre 1954. Bonjour à toutes et à tous. La Kabylie n'est pas brûlée. La Kabylie, par contre, il a été brûlé. Je le refais encore une fois, je le redis. C'est important. La Kabylie n'est pas brûlée. La Kabylie a été brûlée. Nos enfants, nos mères, nos pères, nos soeurs ne sont pas uniquement des morts. Ils ont été assassinés par le pouvoir algérien colonial en Kabylie et je pèse bien mes mots. Les enfants, la Kabylie, nos mères, nos soeurs, nos frères, nos pères ne sont pas uniquement des morts et nous ne pouvons pas les considérer uniquement comme des morts. Par contre, ils ont été assassinés, brûlés vivants. Nos enfants qui sont en prison algérienne depuis X temps à nos jours sont des Kabyles politiques qui luttent pour les libertés individuelles, qui luttent peut-être pour un état de Dawa, quel que soit l'état fasciste. Aujourd'hui, nous sommes TVA devant le TVA, donc nous dénonçons fermement toutes ces arrestations arbitraires, toutes ces arrestations arbitraires commises par le pouvoir algérien colonial en Kabylie. Et aujourd'hui, en tant que Kabyle, pourquoi je me suis présenté aujourd'hui devant vous, mes chers frères et sœurs? Parce que j'ai vu l'affichage de l'appel qui a été organisé par l'ensemble des associations kabylistes au Canada. L'affichage, mes frères et sœurs, derrière moi, était clair et net. L'affichage qui a été fait par l'ensemble des associations kabylistes au Canada est bien clair, net et précis. Solidarité pour la Kabylie. Donc aujourd'hui, je suis là en tant que Kabyle. Et je vais parler sur la Kabylie parce que depuis la nuit du temps, la Kabylie a ouvert ses bras pour l'ensemble du peuple algérien. Parce que l'Algérien n'est pas un peuple. Par contre, c'est le peuple algérien. Mais qui dit je suis jeune, je ne veux pas inventer des choses. Je veux juste récapituler ce que mes parents m'ont appris. Depuis 63, le 80, le 2001, le 2019, si vous voulez, le 2021, c'est les Kabyles qui sont derrière les barreaux. Je ne suis pas contre de lutter pour la libération de tous les détenus dans le monde entier. Mais, يظهر هذا كشطه يجينا حكا تجمع يوثكنا يبغى يروح الكوكرا نكنس القبايل ما كيف نروحوش نكنس مغناسن اكسناغن كموس بفران اكسنا ثاني ما نقبايل ما كيف نروحوش ذي مذانن ام يمذانن ام جير ذي لان جرانا سكو نكيو سناغا فتريلي نكيو سناغارا وكنا ذي فكنا خان نكيو سناغارا وكنا قويا تبيتيو نكو سناغارا مام وكنا قويا عبر ميرك ستردين سناغارا فتريلي سناغارا فتقبيليت وين يفعنا دياس ساكرا وكي تقبيلين انسفيس في بولا نديت اسمار مما تهضار لو موفمون بور لوتو ديترميناسيون دي لا كابيلي ايتا موفمون qui a lutté politiquement depuis sa création, pacifiquement, et je pèse bien mes mots. À nos jours, nous n'avons jamais insulté quelqu'un. Je parle sur les militants du MAC souverainiste Kabyle. À nos jours, nous n'avons jamais imposé à quelqu'un de lutter pour l'indépendance de la Kabylie. Mais entre parenthèses,
Les gens doivent comprendre. Nous ne luttons pas pour l'indépendance de la Kabylie à travers des armes. Nous ne luttons pas pour l'indépendance de la Kabylie à travers la violence. Nous luttons pour l'indépendance de la Kabylie à travers le dialogue. Parce que, en aucun cas, l'argument de la force doit remplacer la force de l'argument. Si tu veux débattre, si tu veux parler, bienvenue. Avance tes arguments, j'avance les miens, et c'est l'histoire qui va nous juger, et c'est le temps qui va nous donner raison. Mon dernier point, les Kabyles, en l'occurrence, les souverainistes ou autres, n'ont jamais été des terroristes. Elles ne sont pas des terroristes, et je ne vais pas parler là-dessus parce que c'est un faux débat. Les terroristes sont le gouvernement algérien, TVA, la presse internationale. Ce sont ces généraux qui sont des terroristes. Ce sont le pouvoir algérien qui est des terroristes. Je termine mon intervention. سيوتفيرث المنكلات يشبه ضربات استهمم ذاك فعليني من الله ثم نغسطين تيمونة تاع سلامين ثم يضرب ديس وسن جاك مقنعة تشيار بلي كاك مقنعة ثم نغسوان النظم ولاش في الناس معنى العقل ويا قارة زوار السعف فلا تصغر لان شوفي السيك إنا يسمعين بلا تسافير انتا قارة نتشلو مود بلار في السعف لحقوا لي لانجر انا غنعين لانجر انا غنفريت القرارات النادي راه الناف ودي تعاود ثلاثة مزور نحارس خلاف يدي مغين جاري يفاف لا مرين حبري مديت نعني اغلي اغولقات لعقل نسوار الزعف اي اسمي طرع ذور ذويت هوا هذي ميسالك نحاصر Omar. Donc nous allons vers le prochain intervenant pour clôturer l'événement. Donc je tiens juste à rappeler que c'est juste un rassemblement, que c'est juste une initiation pour le prochain événement qui est une grande marche qu'on va bien sûr on va lancer les informations au moment opportun. Donc le prochain intervenant c'est Kamel Amari, c'est un journaliste à Dieset Ifkar Raïs. Un Sophie ici. Mon intervention va être axée sur deux points essentiels. Le premier point, il ne faut pas qu'on perde de vue l'essentiel de ce rassemblement. C'était une action dans un cadre unitaire, mais la Kabylie, on doit répéter qu'il n'est pas uniciste. La Kabylie est d'essence démocratique et laïque. Il y a un certain nombre de principes que la Kabylie ne peut pas négocier. Mais en même temps, la démocratie, c'est aussi respecter le principe de dissensus. Si on ne respecte pas le point de vue des autres, on n'a rien à voir avec la démocratie, on est dans le fascisme. J'espère bien que ce rassemblement doit être un prélude pour pouvoir tracer des actions communes dans l'avenir, parce que si, malheureusement, certains n'ont pas compris la finalité de ce rassemblement. Ce n'est pas d'imposer son point de vue qui est essentiel dans cette action, c'est de s'unir autour des revendications bien claires, distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'objectif, c'est de libérer des détenus et de dire au pouvoir algérien qu'on soit unis dans l'action, quel que soit le Kabyle, sa tendance politique, on va vous combattre. Et non pas de venir ici dans un rassemblement
de vouloir imposer ses idées, de vouloir imposer son idéologie, de vouloir imposer son projet. Je regrette, ça ne travaille pas l'intérêt de la Kabylie, ça ne travaille pas les prisonniers, ça ne travaille pas l'intérêt de la vision du monde que la Kabylie défend. Et si pour cela, Manvra, un saou Asir Mizef, il a Yeliwin, Asien Ibli, dans un rassemblement, dans une action, il faut voir l'essentiel. Nadwidek Milen, Vranat Besson d'imposer les idées, leurs idées, attention, ce genre de comportement, ça ne travaille pas leur intérêt malheureusement. Qu'on le veuille ou non, il n'y a que l'union qui pourrait faire fléchir ce pouvoir militaire. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Nous ne serons pas naïfs. Même si c'est vrai, il fallait continuer le combat pacifiquement. Mais Amchouar et Tol, si on n'a pas une vision, on va tomber malheureusement dans le piège du pouvoir. Et si pour cela, moi personnellement j'appelle à la sagesse de chacun. Parce que l'un qui est au sein, حسبن باللي تسرفيف الحروشية تسرفيف التمغلي ونسعى تمغلي الزاف جامعة الصوت alors moi personnellement je dois exprimer mon inquiétude et je le dis sincèrement si on veut continuer à faire des actions dans un cadre unitaire, il fallait qu'il y ait une certaine éthique. Malheureusement, certains peut-être qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, mais je le dis sincèrement. Il va saisir ce genre de division et ce genre de récupération, malheureusement, ça ne travaille pas la Kabylie. Je le dis clairement, chez Wimbillen, dans un perspective de récupération, alors qu'on est dans un cadre de rassemblement, dans un cadre d'action unitaire, et je le répète, ils ne travaillent pas leur intérêt. Et c'est très important de souligner, parce que on ne peut pas jouer avec des militants qui ont une expérience de plus d'une trentaine d'années, de croire que les gens ne comprennent pas des langages. Et c'est pour cela, personnellement, je suis déçu par le comportement de certains. Et j'espère bien que ce genre de leçons doivent être tirées. Malenbra, Femur Tlkabayel, Atidou, Dion Ouvrilet Saoutem Ouvli. Alors, avant de venir à Tikkun Saha, et j'espère bien que mon message est bien traduit par des gens qui n'ont pas compris réellement au fond c'est quoi le sens des actions unitaires. À Tikkun Saha.